Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo sur la découverte du kit STM32. Donc, j'ai ma plaque de circuit de développement STM32F446RE. Aujourd'hui, on va tout simplement interagir avec un circuit en mode I2C. Donc, on va faire tout simplement un projet avec le Cube MX que j'ai présenté dans une vidéo antérieure. On va même créer le projet dans Visual Studio avec Visual GDB que j'ai expliqué dans une vidéo antérieure aussi. Et finalement, on va faire fonctionner le circuit Real Time Clock, donc le circuit RTC, qui va nous permettre de lire l'heure en temps réel via le port I2C de la carte de développement. Donc dans la vidéo, vous allez apprendre comment fonctionne la communication I2C, vous allez apprendre comment la faire interagir avec les librairies HAL qui sont intégrées dans Visual Studio ainsi que Visual GDB et le CubeMX, et vous allez aussi apprendre à justement utiliser le debugger pour aller lire les valeurs lorsqu'on fait du temps réel avec le kit STM32. On va aussi interagir avec un analyseur logique afin de voir les trames qui circulent sur le bus I2C avec l'outil logique, donc un outil tout simplement pour lire les trames, que ce soit RS232, I2C, SPI, etc., toutes les trames de communication avec un analyseur logique. Donc avant de commencer à programmer notre communication I2C, on va tout simplement suivre le branchement comme vous voyez présentement du circuit DS1307 qui correspond à être un circuit d'horloge, donc un circuit RTC qui va nous permettre de nous donner les secondes, les minutes, les heures, les journées, les mois et les années en temps réel. Tout simplement de mettre un cristal de 32,768 kHz qui va nous générer en fait la bonne fréquence pour avoir l'heure parfaitement actuelle. On va pouvoir même ajouter une batterie si on veut. Par contre, dans le schéma que je vous présente aujourd'hui, il n'y aura pas de batterie de secours. Donc, si on désalimente le circuit, par défaut, il va se remettre à zéro. Donc, les valeurs internes du circuit vont se remettre à zéro puisque l'alimentation ne sera plus disponible. Par contre, il serait possible de le faire. Donc, en suivant le schématique comme vous voyez ici, il faut vous marquer aussi qu'il n'y aura pas de résistance de pull-up qui sont nécessaires à mettre sur les lignes SDA et SCL. Habituellement, pour une communication I2C, ces résistances-là sont nécessaires. Il faut savoir que dans le CubeMX, qu'on va pouvoir programmer un peu plus tard, on peut spécifier au circuit, donc le processeur STM32, qu'on veut mettre des résistances pull-up. Ça veut dire qu'à l'interne du circuit même, il va nous placer des résistances. On va donc les activer, ce qui fait qu'en externe, on n'aura pas besoin de placer de résistances sur notre alimentation. C'est vraiment pratique puisqu'on évite d'avoir plusieurs composants sur notre plaque, ainsi que ça facilite puisqu'on peut plus facilement gérer nos lignes SDA, SCL ou différents bus de données, puisqu'à l'interne du CubeMX, on peut tout gérer si on met des pull-ups, si on n'en met pas, etc. Donc avant toute chose, on va créer un nouveau projet avec l'environnement CubeMX. C'est l'environnement qui va nous permettre de définir les broches pour notre microprocesseur. En créant un nouveau projet aussi, on va repartir à nœud par rapport à l'ancien projet qu'on a fait dans une précédente vidéo. Donc, on va tout simplement juste mettre l'initialisation de nos broches SDA-SCL. On va cliquer sur « Nouveau projet ». On va avoir la fenêtre qui apparaît comme dans la précédente vidéo que je vous ai démontré. On va aller sélectionner les « Board Selector ». Donc, on va aller sélectionner F446RE qui correspond à être la plaque de développement qu'on a sur mon prototypage, de ma plaque de prototypage. On va arriver avec le circuit que vous voyez. On va tout simplement cliquer sur I2C1, on va aller l'activer et vous allez voir donc PB7 et PB6 qui sont activés. PB7 pour SDA, PB6 pour SCL. On pourrait changer par exemple, regarde, I2C1 SDA, on pourrait le placer là à la place. Mais mon branchement pour mon circuit sur ma plaque de prototypage, je l'ai mis sur PB7, PB6. Tout simplement, aller dans les configurations par la suite, on a la section I2C. Et on a toutes les configurations. Par exemple, ici, j'ai mis une fréquence de 100 kHz. On va le voir un peu plus tard, justement, sur l'analyseur logique. Mais on pourrait changer cette vitesse-là. Par défaut, c'est 100 kHz, pardon. Et c'est possiblement le standard maximal qu'on peut faire avec une communication I2C. On va tout simplement générer le code pour... Donc, on va aller dans les... paramètres, on va donner un nom de projet, donc par exemple I2C, on va aller placer ça dans un dossier que j'ai prédéfini, donc STM32 I2C, librairie,
on va placer ça là. On va aller chercher True Studio comme j'ai présenté dans l'ancienne vidéo. Et on va mettre les bons paramètres pour que Visual Studio prenne tout en compte. Donc, on clique sur la roue dentée pour générer les fichiers de projet. Donc, maintenant que c'est fait, on va se rendre dans l'interface Visual Studio, faire le nouveau projet. Et on va tout simplement recréer le projet tout à fait comme on avait fait à la dernière fois. Donc, Visual GDB, un projet embarqué. On va aller placer ça dans le même dossier. En fait, vous allez remarquer, moi, j'ai fait un dossier STM32. J'ai mis mes librairies ici, qui sont générées par mon CubeMX. Et mon projet, je le mets dans un autre dossier. Donc, ça va séparer ma librairie de mon projet. Donc, si je voudrais faire un nouveau projet avec la même librairie, je pourrais tout simplement créer un sous-dossier. Donc, encore là, on va l'appeler I2C. Faire OK. Et on va aller sélectionner Importer un projet, puisque nous autres, on utilise STM32 CubeMX. On va décocher la case Copier Imported File to Project Directory. Faire appuyer sur Next. On va aller chercher notre STM32 à nous. 446RE. Donc, tout ça, c'est beau. On va aller chercher maintenant le fichier, le dossier des fichiers sources qui ont été générés par le CubeMX. Donc, SRC pour source. Tout ça, c'est beau. On détecte. On teste le OpenOCD si notre carte est connectée à notre ordinateur. Donc, on appuie sur Finish et notre projet va être créé. À partir de là, il va encore falloir faire quelques ajustements. Comme j'avais parlé dans l'ancienne vidéo sur pour que le projet se compile bien sans erreur. Donc, c'est tout le temps les mêmes étapes à faire quand, lorsqu'on crée un nouveau projet. Il y a tout le temps deux, trois petites choses à corriger puisque on n'est pas dans un environnement qui a été fait 100% pour Visual Studio. Donc, ça a été un peu adapté. Il faut faire quelques modifications, dont le fichier système, comme vous voyez, il se retrouve à deux endroits. On va tout simplement supprimer celui-là, sinon il va nous donner une erreur puisqu'il y a deux fois le même fichier. Et on va aller dans les propriétés de Visual GDB et inclure le fichier, le dossier pardon, des fichiers d'inclusion qui a été généré par le Cube. Donc STM32, librairie, include file, donc INC pour les fichiers d'inclusion. OK. On appuie sur OK. On appuie sur Apply. On peut même aller se rajouter IntelliSense native, comme j'ai présenté dans une précédente vidéo, qui va nous aider à faire notre code. Donc, on enregistre. Pour être certain, on va aller chercher notre main. On peut même le compiler pour voir comment ça réagit. Et comme vous voyez, projet compile facilement. Donc, tout est beau. Notre projet compile, il n'y a aucune erreur. On va appuyer sur Stop. Je vais vous faire remarquer que justement ici, ils ont un handler qui appelle. Donc c'est justement, ils vont utiliser le terme HI2C1 pour lorsqu'on va utiliser le port I2C qui a été défini dans le cube ici. Donc les deux broches qui sont ici, I2C1, SDL et SDA. Donc lorsqu'on va l'utiliser, il va falloir faire référence à HI2C1. Donc ça a été défini par le cube qui a été généré. On a la fonction ici d'initialisation du port I2C avec toutes nos configurations. En fait, si on se rend, on va voir que justement, c'est les configurations, donc la vitesse, le nombre de bits, etc. qu'on a défini dans le cube. Ensuite, on initialise justement notre port I2C et on a notre book while, en fait, qu'on va appeler notre communication I2C. J'ai déjà écrit le code, donc je vais le copier tout simplement. De ce que j'avais écrit, on va mettre un délai d'une seconde et on faut créer une variable UCData que je vais vous expliquer dans quelques secondes. Donc ça, c'était tout simplement un tableau. Okay, je peux même initialiser avec simplement des zéros pour être certain que qu'on n'ait pas d'erreur de lecture de données un peu plus tard. Donc, c'est tout simplement, en fait, la fonction HAL I2C. En fait, si vous voulez, on peut regarder I2C, toutes les fonctions qui sont reliées
au port I2C. Les principales sont initialisation, évidemment. On a aussi master receive qui peuvent être gérés tout simplement en mode polling, en mode DMA ou en mode interruption. Nécessairement, en mode polling, c'est la méthode la plus lente. Ensuite, on va y aller par interruption et DMA, c'est la plus rapide. Puisque DMA, ça va aller directement en mémoire chercher la donnée, tandis que polling, il va le faire par, pas essai-erreur, mais il va y faire des lectures de temps à autre, tandis que en DMA, dès qu'il va avoir une donnée disponible, il va directement aller la chercher en mémoire. Celle qu'on va le plus utiliser dans ce cas-ci, nous autres, ça va être Memory Read, puisque le circuit qu'on utilise, le DS1307, pardon, est considéré comme une mémoire, puisque la date, l'heure, etc. sont enregistrées en mémoire. Nous, on va simplement aller lire ces cases mémoire-là. Donc, il y a Memory Read et Memory Write. Encore une fois, on peut faire un read en polling, en DMA ou en interruption. Dans mon cube, je les ai générés, en fait, dans mon cube ici, je ne les ai pas mis en interruption, je ne les ai pas mis en DMA. Donc, si j'aurais voulu les mettre en interrupt, il aurait fallu que je mette ça ici. DMA ici. Donc j'ai décidé de le faire en polling. Donc, on va tout simplement utiliser Memory Write, tout simplement. J'ai mentionné un peu plus tôt qu'on ne mettrait pas de résistance pull-up à l'externe, tout simplement parce qu'ils sont gérés ici. Donc, si par exemple, on regarde SDA et STL, SDA par exemple, il va y avoir définitivement une pull-up sur ici, en sélectionnant pull-up. Si on mettrait nos pull-up, il faudra en mettre une en externe. Par contre, je préfère la mettre à l'interne. Sur ma plaque de prototypage, ça m'évite de mettre des résistances pour rien. Et ça simplifie la schématique pour des tests. Donc ça, c'est fait. Le cube, c'est passé. Donc, lorsqu'on veut aller lire le circuit DS1307, on a tout simplement à aller chercher le HI2C1, comme j'avais parlé un peu plus tôt. Donc, ils vont appeler ça le handler. Je vais l'écrire pour vous sur une nouvelle ligne, par exemple. I2C, mémoire, memory read. Donc, ce qu'ils nous demandent, c'est le I2C handle type def. Donc, dans notre cas, c'est HI2C1 qu'ils nous ont défini à l'avance. Ensuite, ça va être device address, donc l'adresse physique du circuit. Dans notre cas, ça va être défini dans la fiche technique, ce qui correspond à D0. J'avais déjà trouvé dans la fiche technique un peu plus tôt. Ça va correspondre justement à D0 qui va nous permettre d'aller chercher, de sélectionner le circuit. Et ensuite, on va aller chercher plutôt les adresses, les adresses logicielles pour ensuite communiquer à chaque adresse, plage d'adresse mémoire. Donc D0, c'est notre adresse physique. 0xd0. Et ensuite, il veut savoir l'adresse mémoire. Ici, on a justement les adresses, donc 00, 01, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à 3F. Dans notre cas, on va vouloir aller lire 0 pour avoir les secondes, 1, 2 pour avoir les minutes, les heures, avoir le 4 pour aller lire la date, 5 le mois, 6 l'année. Donc, le 3, nécessairement, c'est juste simplement la journée de la semaine. Ça nous intéresse un peu moins. Donc, nous autres, on va simplement aller chercher à l'adresse 4. C'est pourquoi dans mon code, j'ai marqué les adresses 0, 1, 2, 4, 5, 6. Donc, seconde, minute, heure, jour, mois, année. Donc, ensuite, on va marquer justement l'adresse. Par exemple, 0 pour les secondes. Il demande ensuite la mémoire, la grosseur de la mémoire. Donc, nous autres, c'est seulement une donnée. On va aller mettre un tableau, en fait, soit une variable ou un élément de tableau où on veut aller enregistrer sa valeur. Dans mon cas, j'ai défini que c'était mon tableau UC Data que j'avais prédéfini en haut de mon programme. Et on a tout simplement à sélectionner l'élément, comme par exemple ici, j'ai mis 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, à chacune des adresses, il va aller enregistrer, par exemple, les secondes à l'élément 0, les minutes à l'élément 1, 2, 3, 4 et 5, ainsi de suite. Encore là, le 1, c'est pour savoir combien de données il faut lire. Et le temps ici, c'est en millisecondes, donc 1000 millisecondes. Ça, c'est pour la fonction lorsqu'on l'utilise en polling. Ça va nous servir justement, on va lui donner une seconde pour faire sa lecture. S'il n'y a aucune réponse du circuit en bas d'une seconde, il va pouvoir abandonner. Donc, souvent, on pourrait mettre simplement juste 10 millisecondes.
mais je préfère mettre une plus grande valeur pour être certain d'avoir tout le temps un bon résultat. On va tout simplement se mettre un point d'arrêt ici lorsqu'on va lancer le programme pour qu'on puisse aller lire les valeurs de notre tableau. Donc présentement, je compile mon programme, il n'y a aucune erreur encore une fois. Si j'appuie sur le bouton stop, vous allez voir le programme a arrêté. Je vais mettre mes valeurs de mon tableau ici, disponibles, pour qu'on puisse voir en temps réel leurs valeurs changer. Donc présentement, j'ai 34 secondes, 40 minutes, 2, 2, 2, 2. Donc ça serait allant 2, deuxième mois, deuxième jour, 2 heures. Prenant des valeurs que j'ai déjà écrites dans le circuit, qu'ils sont restés. Ensuite, 40, ça serait 40 minutes, 34 secondes. Si j'appuie sur Continue, vous allez voir que les valeurs vont être changées ici. Nécessairement, c'est des valeurs qui vont être en hexadécimal, puisque si ça serait en valeur décimale, en fait, 88 secondes, ça n'existe pas. Donc, c'est des valeurs hexadécimales, comme ici, ça serait 28 minutes. Et 58 secondes. J'appuie sur Continue encore. On va être passé à 29 minutes 19 secondes. Et comme vous voyez, comme j'ai mis un délai, on ne va pas lire instantanément. Donc à chaque fois que je fais un Continue, il va exécuter une première lecture, une deuxième lecture, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième pour aller chercher les 6 éléments que j'ai besoin dans mon circuit RTC. Ce qu'on va faire maintenant, c'est d'utiliser un analyseur logique. Donc j'appuie sur Start sur le front SDA. Et je vais lire ma clock, donc SCL aussi. Donc lorsque je vais appuyer sur Continue ici, il va aller faire mes 6 lectures. Dans mon logiciel, il a toutes pris mes données en compte. Comme vous voyez, c'est toutes mes 6 lectures qui se retrouvent sur mon bus de communication I2C. On a en bas ici la clock. Comme si vous voyez présentement, si je mets ma souris ici, on a 100 kHz dans la section ici. Fréquence, on a 100 kHz. Et on peut mettre toutes les données visibles. Donc, comme vous voyez, on a l'adresse D0. Donc, la communication I2C commence ici. On envoie la donnée D0. On reçoit un acknowledge, donc un flag disant que la donnée a été reçue parfaitement. On envoie l'adresse 0. Donc, on souhaite aller à l'adresse 0 en mémoire. Et on va faire une lecture, donc D1 pour une lecture. Correspond à l'adresse de base, donc D0 plus 1. Et on va aller lire 52, donc il y a 52 secondes qui se sont écoulées. En fait, pas 52 secondes qui se sont écoulées, mais l'heure actuelle dans le circuit, ça serait 52. Donc si on va voir dans mon projet ici, on est aussi à 52, tout simplement parce que c'est la même valeur qui a été lue. Ensuite, on va terminer la communication et on va en démarrer une deuxième. À ce point-ci, on est rendu à la deuxième ligne. Donc la première ligne a été exécutée avec succès. On va lire la deuxième ligne. Donc, on va lire à nouveau D0. Par contre, si on va lire à l'adresse 1, et contrairement à la première fois qu'on est allé lire l'adresse 0, on va aller lire l'adresse 1. Et ensuite, on va aller encore lire, donc D1 pour lire. Et on va lire 29, comme vous voyez. Donc, on est allé lire 29 ici. Donc, encore là, 29 minutes, 52 secondes. Donc, toutes les données ont été accumulées comme ça par le bus et I2C. Et jusqu'à la fin, ici, où on est allé écrire D0, l'adresse du circuit, à l'adresse 6, l'adresse en mémoire 6, allé lire 2. Donc, comme vous voyez, on est allé lire 2 encore une fois, puisque cette valeur-là n'a pas changé. Comme c'est les années, ça change très, très rarement. Pour plus d'informations sur la programmation du kit de développement STM32F446RE, rendez-vous sur mon site internet pbelectronique.com, le lien est dans la description. Et pour plus d'informations sur la communication I2C, mes différents projets ainsi que plus de vidéos, rendez-vous aussi sur pubelectronique.com.